Madame Marot, vous êtes présidente de l'Amicale des Beaux-Arts de la Seine-sur-Mer. Je crois que c'est une association qui a quand même pas mal d'années déjà. Oui, elle existe depuis 1965. Alors donc, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame, mais bien dynamique. Avec quel genre d'activité ? Alors, les activités principales sont bien entendu les ateliers libres de peinture, de dessin, de dessin avec modèle vivant, de nu donc. Puis nous avons des voyages culturels et des sorties culturelles dans la région ou même un peu plus loin. On va visiter des musées, enfin, voilà, en fonction des expositions qui nous sont proposées. Vous avez combien d'adhérents ? L'année dernière, nous en avions 110. Et je pense que cette année, on se tiendra à peu près dans le même nombre. Vous avez un local ? Ben, nous avons un local que la mairie nous prête, et dans la rue Messine. Et un autre local dans la maison des associations du quartier de Jean-Baptiste Coste, l'avenue Aimé Genoux. Et votre prochaine exposition ? Alors, notre prochaine exposition sera au mois d'avril à la Bourse du Travail, comme chaque année. Et une autre sûrement au mois de mai ou juin au Sablettes. À la maison du tourisme des Sablettes. Et puis nous avons des sorties, enfin, voilà. Quelles sont vos coordonnées ? Peut-être un numéro de téléphone ? Alors, oui, il y a plusieurs numéros. Enfin, le 04 94 06 54 49, ça c'est chez la présidente. Ensuite, je crois que c'est tout. Parce que le portable, c'est pas vrai. Très bien, Madame Marot, je vous remercie et longue vie à l'Amicale des Beaux-Arts. Merci à vous de nous avoir proposé ce petit interview. Voilà.